a ce soir une conférence d'Alain Guignard qui va nous faire voyager, toujours dans le cadre de cette semaine d'action contre le racisme 2016 à Montreux. La semaine d'action est organisée par une commission à Montreux, ce qui s'appelle la COCOSI, qui est la commission consultative pour l'intégration et la cohésion sociale. Ce soir, on a une conférence donc, de chasseurs d'horizons, Aline Guignard et Olivier Fornet, qui sont deux Vevezans qui ont fait un tour du monde de 2 ans en vélo et qui sont rentrés l'année dernière. Ils vont nous parler un petit peu de leur tour, tout en restant dans la thématique de cette semaine d'action contre le racisme de Montreux, qui est cette année « Être humain envers l'humain ». La conférence autour de 7 tableaux qui retracent nos expériences, nos apprentissages et puis les points qui ont été forts pour nous pendant ce voyage. On était parti dans le but de faire un voyage, mais on n'était pas parti dans le but de faire un tour du monde. Et puis petit à petit, on est parti de faire un voyage de 3 mois en Mongolie, c'était le projet initial. Puis petit à petit, de fil en aiguille, on en est arrivé à se dire on part d'ici, on verra bien où on va, et puis on construira le voyage au fur et à mesure. Mais je pense que l'hospitalité qu'on a pu rencontrer dans certains pays, et notamment toute la partie en Asie, cette hospitalité que les gens peuvent nous ont témoigné, mais d'une manière vraiment spontanée et naturelle, ça c'était quelque chose de très enrichissant et qu'on essaie de garder en nous. Et finalement, de toutes ces rencontres, de toutes ces différentes religions, il y a un même message qu'on a reçu, et c'était un message d'amour. Et je pense que la base de la bonne compréhension de l'autre passe par la compréhension de soi-même, et puis dans un deuxième temps, s'intéresser à l'autre, le questionner, et puis faire tomber des fois des a priori, des stéréotypes, ou des choses peut-être plus de surface auxquelles on va s'arrêter dans un premier temps.